Croyez-vous aux fantômes? Ben, semble-t-il qu'il en existe tout plein dans le Vieux-Montréal. Et en fait, c'est Guy Datour qui nous propose un circuit animé qui s'appelle La chasse aux fantômes. Suivez-nous! Vous avez décidé ce soir de venir faire le tour des légendes et histoires. Ça, je vais t'expliquer ce que c'est, OK? C'est un tour dans le Vieux-Montréal qui dure à peu près une heure et demie. Pourquoi je vous ai demandé de garder silence? Parce qu'on vient de traverser les cours, le foyer. Puis quand que je fais trop de bruit des fois et que je les dérange, il y en a qui ouvrent leurs fenêtres puis qui me lancent des pommes de terre. Puis c'est pas une légende. On traverse! En arrière de moi, ça a été la demeure d'un riche marchand de fourrure. Un marchand de fourrure qui était pas riche pour rien. C'était pas très très honnête non plus. Fait qu'un jour, ils ont engagé un bandit pour aller faire exploser tous les entrepôts de fourrure de ses compétiteurs autour de lui. Ça a marché. POW! Parce que j'étais soir-là dans le grenier. C'était la leçon de piano de sa petite fille avec son grand-père. Puis les deux sont morts dans l'explosion. Puis aujourd'hui, dans l'auberge Saint-Gabriel, la petite fille est encore là.